On va donc commencer cette rencontre avec Pierre Bergougnou et Geoffrey Lachassagne, qui est réalisateur et qui nous a fait aussi la gentillesse d'être avec nous aujourd'hui. Je remercie la caisse locale du Crédit Agricole Ventoux qui participe au financement de cette conférence, les étudiants présents et les étudiants qui ont aussi préparé et travaillé à cette rencontre. Donc la présence de Geoffrey Lachassagne ici est relative à un film qu'il a réalisé sur Pierre Bergougnou, La Capture. Donc ce film, nous allons le visionner donc, dans un premier temps, et ensuite nous écouterons donc Pierre Bergougnou, dont l'intitulé de la conférence est Une terre sans art. Et ensuite, donc, bien sûr, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, et à Pierre Bergougnou, et à Geoffrey Lachassagne également. Je laisse la parole aux étudiants qui vont vous présenter donc la rencontre. Alors, bonjour. Pierre Bergougnou, vous êtes un des écrivains majeurs de notre temps, sculpteur, professeur de lettres et entomologiste. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes et lauréat du prix Alain Fournier en 1986. L'ensemble de votre œuvre, qui mêle littérature, autobiographie, fiction et essais, comme les carnets de notes, est édité en partie chez Verdier et Gallimard. Et Geoffrey Lachassagne, vous êtes réalisateur et auteur dramatique, et vous avez tourné de nombreux films documentaires comme Aérotrain, La longue marche vers l'indépendance, tout en poursuivant simultanément un travail d'écriture quotidien. Vous êtes tous les deux originaires de la Corrèze. Vous utilisez votre région comme trame de votre imaginaire, un retour à la solitude et une référence constante à vos souvenirs d'enfance. L'enfance est pour vous deux une ressource essentielle de rêve et d'imaginaire. Elle permet une liberté dans l'écriture et la pensée. Les souvenirs enrichissent vos écrits ou vos films, et comme nous le verrons sans doute, bien d'autres choses. Nous allons donc maintenant visionner le film La Capture, réalisé par Geoffrey Lachassagne, et nous écouterons ensuite Pierre Bergougnou. En tant qu'écrivain, est-ce que vous l'énoncez plus ou moins, mais faites-vous vraiment un lien avec l'homme en parlant des insectes, surtout au début du film? Est-ce que voilà. Est-ce qu'il y aurait un lien entre le fait de noircir du papier et celui de courir après des petites bêtes qui ne m'ont rien fait? Non, plus dans la façon dont vous décrivez les insectes, comme vraiment un cycle dans la nature, certains sont pourchassés. Mais vous aussi, vous voulez pourchasser, donc c'était plus pour expliquer ce lien vraiment. Oui, oui, oui. Nous sommes tous en quête de quelque chose. Nous sommes des êtres de besoin, de soucis, de désirs. Je vais faire le prof de collège. La maxime de l'entomologie a été formulée par Linné, le grand savant suédois Linné, auquel on doit les taxinomies de classification binaire. Je vous l'ai donné en latin, puisqu'il l'a donné en latin, je vous jure que je traduirai juste après. Alors c'est la suivante. Natura miranda maxima in minimis. Là où la nature doit être admirée le plus grandement, c'est dans les plus petites choses. Les espèces aux yeux des hommes, des bipèdes pensifs que nous sommes,
sont revêtus d'une certaine beauté, grandeur, majesté, élégance. Mais c'est, me semble-t-il, le monde des créatures à six pattes, des insectes, qui est le mieux fait pour susciter en nous l'émerveillement. Certains insectes sont de véritables joyaux. Ils passent tout ce que nous aurions pu imaginer, concevoir, supposer. Certaines rencontres m'ont plongé dans une sorte de stupeur bienheureuse. Je garde le souvenir très précis de la découverte, s'il m'en convient, d'une cétoine dorée au jardin public de ma sous-préfecture natale. J'ai 5 ou 6 ans, je n'arrive pas à resserrer plus précisément. Je crois que la première pensée qui traverse l'esprit du gamin que j'étais, c'est: se peut-il que pareille merveille soit offerte à un personnage aussi mince que moi? Il me semblait qu'il y avait une sorte d'incompatibilité entre le peu qu'on est à cet âge, et peut-être toujours, et on le sait, et d'autre part, quelque chose d'aussi merveilleusement accompli que cette cétoine, c'est un joli petit coléoptère vert qu'on rencontre dans les roses, en cette période de l'année, dès le mois de mai. Donc, nous sommes des êtres de besoin. Nous n'avons pas touché, lorsque nous sommes arrivés, la notice explicative. Il n'y a pas, comme dans les musées, comme dans les lieux habités, civilisés, lettrés de flèches, de panneaux, rien qui concentre ou alerte notre attention. C'est à nous qu'il appartient d'aller à travers tout, puisque tout nous a été momentanément donné. Et puis, eh bien, d'essayer de fixer la nuance du rapport que nous avons avec le monde, puisque nous avons fait le détour par lui, ou lui le détour par nous. Une dernière chose à propos des insectes, c'est un monde qui inspire assez fréquemment, enfin je l'ai observé, de la crainte ou de la répugnance. Le nombre de fois où j'ai entendu des femmes, aussi des hommes d'ailleurs, pousser des hurlements, des cris perçants, alors que rien ne justifiait véritablement pareille manifestation. Et à l'inverse, j'ai toujours trouvé que c'était là quelque chose d'exaltant, de réjouissant, d'extrêmement instructif. Les mœurs sont des insectes qui stupéfient. Enfin, un nom l'emporte sur tous les autres, c'est celui du grand entomologiste Jean-Henri Fabre, qui a consacré sa vie à étudier les merveilles de l'instinct. Nous pouvons recevoir aussi un certain nombre d'enseignements ou de leçons de ce côté-là. Et Geoffrey Lachassin, qui est mon petit voisin du département voisin, a eu la curiosité de m'accompagner dans ses recherches, dans ses poursuites. Donc oui, on a affaire un peu sur tous les fronts. C'est peut-être la contrepartie ou la rançon de cette faculté que nous avons développée. L'ouverture, l'espèce humaine, on est ouvert à tout. Nous n'avons pas d'instinct, pas véritablement. Nous ne sommes pas prédéterminés. Il faut chaque fois inventer à nouveau frais cette vie que nous avons. Et si, par bonheur, les conditions d'existence s'améliorent, ce qui a été le cas pour les gens de ma génération, eh bien, se préoccuper, s'inquiéter de choses qui étaient comme si elles n'avaient pas été aux yeux, à l'esprit de ceux qui nous précédaient, parce qu'ils étaient beaucoup trop occupé par le cours des choses, le tumulte des affaires, pour simplement s'en soucier. C'est à peu près en ces termes-là que je répondrai. Sinon, je peux vous dire quelques mots de ceux auxquels j'avais songé. Lorsqu'il était question de m'en retourner à Limoges, où j'ai étudié une année durant au temps de mon adolescence. Il existe une région qu'on appelait, puisque ça va, paraît-il, bientôt changer, le Limousin. Je pense que pour une bonne partie d'entre vous, vous en êtes, j'en suis. Son malheur, le mot ne
dois pas vous effaroucher trop, son malheur est d'avoir été découpé dans ce qu'on appelle les moins bonnes terres de l'économie politique. L'essentiel du destin qui a été le nôtre, et il demeure un peu, tient à ce qu'il existe deux grandes catégories de sols, les uns féconds, les autres pas. Or, le massif cristallin, dans lequel ont été découpés les trois départements de la région, relève en totalité de ce qu'on appelle les moins bonnes terres de l'économie politique. Et alors, me demanderez-vous, et alors ? Eh bien, il existe un mécanisme qu'on a été quelque temps à démêler et qui est cause, quant au fond, de l'opulence des uns et de la misère des autres. Ce mécanisme, c'est celui de la rente foncière différentielle. Excusez-moi d'employer ce jargon, mais j'en ai besoin. Concrètement, la terre limousine donnait, il y a peu, 14,5 quintaux de seigle, ou de blé, plutôt de seigle, à l'hectare. Ce qu'on appelle les bonnes terres de l'économie politique, il n'y a pas à chercher loin, le Berry. La Beauce, 100 km entre Vierzon et Orléans. Mais si vous continuez, la Brie, au nord de Paris, puis la Picardie, donne entre 100 et 110 quintaux à l'hectare. Si on a maintenu aussi longtemps des moins bonnes terres en culture, c'est que les bonnes ne suffisaient pas à fournir les deux quintaux de blé par an et par personne, sans lesquels la famine s'installerait. Ça a été le sort de la population française jusqu'à la fin à peu près de l'Ancien Régime. À compter de l'instant où la moisson était faite, on savait assez précisément si oui ou non ce qu'on appelle la crise frumentaire s'abattrait sur le pays. Si tel était le cas, on était assuré que les vieilles gens et les enfants mourraient en masse l'année suivante, avant que la soudure ne soit faite. Alors quel rapport entre ces lois de l'économie politique et les beaux-arts? Elles sont toutes simples. Les beaux-arts sont financés par le surplus. Ils ne tombent pas du ciel. Ils sont le fait de virtuoses aux besoins desquels il faut fournir. Ou bien le sol est bon, livre un surplus qu'on réalise en argent et permet à ses propriétaires, la terre fait l'objet d'une appropriation privée, de financer les services des plasticiens, des peintres, des sculpteurs, des architectes qui vont les représenter, les sculpter dans le marbre, les couler dans le bronze. Ou alors, le produit de la terre suffit à peine à subvenir aux besoins des occupants, et dans ce cas-là, il n'y a pas de manifestation artistique. Pour prendre un exemple tout simple, que je connais à peu près, lorsque l'on est dans le département voisin de la Corrèze, on note une surabondance relative de bauges féodales, qui sont des organes défensifs, mastoc, aveugles, mal gracieux. Pour ceux qui connaîtraient un peu le département en question, par exemple, Ventadour, dans la partie haute du département, Comborne dans la partie médiane, Turenne dans la partie basse. Lorsqu'on circule dans ces contrées, tout parle de l'insécurité des temps mérovingiens et carolingiens. Très peu de manoirs, de résidences aristocratiques, classiques ou romantiques, comme par exemple on en trouve en nombre assez grand en Périgord. Pas d'artistes, pas de peintres, pas de sculpteurs, pas d'écrivains, pas de savants. On n'a pas les moyens matériels, on ne dispose pas du surplus qui aurait permis au fil des âges, d'une part, d'agrémenter l'existence et d'autre part, de fournir aux besoins de ceux qui, par la magie de l'art, s'appliquent à rendre la vie plus douce, belle, lumineuse, agréable et, s'il m'est permis, explicite. La littérature sert à porter en pleine lumière des choses qui, semble-t-il, ne peuvent parvenir à l'esprit que par l'intermédiaire, le canal, le truchement du papier. Ce qui confirme, si on peut ainsi parler, cette relégation dont une région entière peut être frappée.
le fait que jusqu'aux années 70, et peut-être un tout petit peu au-delà encore, la langue usuelle, c'était dans la campagne, ce qu'on appelait le patois, c'est-à-dire un parler à grosses pattes, un parler pato. Le français étant la langue de l'école. Or, il existe depuis 1539 un édit qui a été promulgué par le roi François et qui prescrit l'usage, je cite, du langage maternel français dans tous les actes publics. J'ai quelques vieux papiers de famille, ils sont rédigés en français, alors que je sais de science certaine que ceux qui les ont dictés étaient purement occitanophones. Lorsqu'ils sentaient leur dernière heure venir, ils convoquaient un officier bilingue assermenté à qui ils disaient leur dernière volonté en occitan, en patois. L'autre les consignait en français sur un papier, les répétait en patois, et généralement le malheureux signait d'une croix. Le Limousin est resté une terre à peu près sans art. Je sais qu'il les arts du feu à Limoges, mais pour le reste, aussi bien lorsqu'on va à travers l'étendue dans la campagne creusoise, corrézienne ou de la Haute-Vienne, lorsqu'on lève les yeux vers la bibliothèque, lorsqu'on parcourt les galeries des musées, il n'y a pratiquement pas trace de la vie que l'on a menée parce que l'empire de la nécessité était si écrasant qu'on ne disposait d'aucun surproduit, d'aucun surplus qui ait permis de financer les rares, les signalés services des artistes. C'est à mes yeux une sorte de révolution, au moins à l'échelle locale, que depuis une cinquantaine, une soixantaine d'années, il se soit trouvé des gens pour tendre une main, j'emploie le mot à dessein, criminel, vers la plume, le crayon, le pinceau, sans s'exposer au châtiment, non pas seulement littéraire, mais très effectif, dont on trouve les premiers témoignages dès les éveils de la littérature française. Alors, deux exemples énormes, et j'en ai quelques autres. Le premier, c'est au chapitre 6 du Pantagruel de François Rabelais, Les Chauliers Limousins. Cela se passe sur le pavé de Paris, et le géant qui visite la capitale tombe sur un pauvre imbécile qui singe 1000 langages savants dont il ne possède naturellement aucun, ce qui a pour effet d'irriter le bon géant qui a reçu une éducation soignée. Il menace donc Pantagruel d'escorcher tout vif le paltoquet et lui fait d'une voix que j'imagine tonnante la question « D'en es-tu ? T'es d'où ?» en patois « d'entaché ». Et l'autre se met à parler un patois que d'ailleurs Rabelais a altéré et Pantagruel, dégoûté, lâche le mince personnage en lui disant simplement « Ah, tu es limousin pour tout potage, pensez-nous. » C'est la figure idéale, typique du personnage que nous avons composé pendant des siècles, dès que nous franchissions les limites du canton ou à tout le moins de la région, obligés à toutes sortes de simagrées en l'absence de l'accès à ces biens véritables, ou un accès véritable à ces biens dont nous avions le sentiment que sans doute ils brillaient d'un lustre, d'un éclat souverain, mais qu'ils se trouvaient hors de notre atteinte pour les raisons que j'ai dites. Le deuxième exemple, on passe au siècle suivant. C'est Monsieur de Pourceaugnac, d'un certain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Pareil, une sorte de goujat qui se risque sur le pavé de Paris, excite naturellement la risée, on sourit en le voyant, en l'entendant, et lorsqu'on lui fait la question, mais d'où venez-vous, monsieur ? Il répond simplement, je suis un gentilhomme de Limoges. La littérature s'est faite l'écho de cette inégalité profonde. Qui existait entre les régions et donc entre leurs habitants. Alors il y a un mot un peu bizarre, mais je vais l'employer parce que j'en ai besoin. C'est celui de pour autrui. C'est un concept, les philosophes utilisent des concepts qui sont utiles, me semble-t-il, même après qu'on a quitté le jardin de la philosophie. Et au pour autrui s'oppose le pour soi. Il y a l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, l'idée que d'autres s'en font, et le drame est que bien souvent il n'y a pas coïncidence entre ces deux versions d'une seule et même réalité. Par le retentissement direct des conditions matérielles d'existence,
sur les pensées que, étant homme, nous ne pouvons pas ne pas former. Ce retentissement était tel que pendant des sortes d'éternités, nous n'avons pas eu de pour-soi. Nous étions incapables de nous former de nous-mêmes une idée qui soit conforme à notre nature. Peut-être parce que cette nature était frappée d'une telle disgrâce qu'il valait mieux l'ignorer. Il y a des pensées qui sont véritablement des blessures ou des tortures. En revanche, nous étions richement pourvus de ce qu'on appelle le pour autrui. Les autres se faisaient de nous une idée assez exacte, très déplaisante, et naturellement ne se sont point fait faute de la confier au papier en français. C'est donc une sorte de travail d'apuration des comptes ou de liquidation des arriérés qu'il me semble que des gens comme Geoffrey Lachassagne qui viennent de naître. Mais avant lui, je pense, des plasticiens, je pense, à quelqu'un de Haute-Vienne, comme Rebérolle, un compatriote de la Basse-Corrèze, comme Cueco. C'est très tard dans l'histoire du pays que des hommes qui étaient enveloppés par cette espèce de maléfice historique, séculaire, secouent la tutelle des vieilles puissances iniques, attrape des instruments dont il était préférable de s'écarter pour s'épargner ces ridicules auxquels j'ai fait allusion, et en use de façon convaincante. Rebérolle, lorsqu'il peint, est convaincant. Cueco, itou. Ce qui m'a touché lorsque j'ai découvert ses aînés était le fait que il peignait conformément à l'heure qui était... C'est un mauvais jeu de mots, qui était la leur. Ils étaient modernes. Personne ne pouvait moquer leurs travaux comme on l'aurait fait à 20 ou 30 années de distance, parce que, du fait de la relégation de notre petite patrie, c'est comme si des temps partout ailleurs révolus avaient continué de s'attarder dans la contrée. Et en même temps, ces hommes qui accédait enfin à la lumière du présent, mobilisé, et cela m'a touché, eh bien, les ressources que ce petit pays leur fournissait. Ce sont, enfin, vous avez tous vu les travaux de Rebérolle et les morceaux de peau de sanglier, le grillage de poulailler qu'il incorpore à ses toiles. Cueco peint des moutons dans une bétaillère, oui, mais pas n'importe comment. Il peint des chiens, mais d'une façon tout à fait originale. Il me semble, c'est pour ça que j'avais dit que je parlerai d'une terre sans art. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que cela, que l'étau de la triste nécessité à laquelle les bonnes terres nous condamnaient s'est desserré. Ou que le bruit, la rumeur du monde extérieur ont percé l'épaisseur de bois, de hauteur, de silence dont nous étions environnés. Nous sommes à peu près, me semble-t-il, nous avons commencé à devenir à peu près les contemporains de notre temps, après que pendant des sortes d'éternités, nous retardions de 50 ans, 100 ans, 1000 ans, 2000 ans. Sur le mouvement de l'histoire. C'est pour ça que je tiens que c'est une excellente chose que la ville de Limoges dispose d'une école de beaux-arts, qu'il soit permis à des rejetons de cette région de se former à ce métier qui, pendant longtemps, n'a pas pu figurer dans la perspective qui s'ouvrait sous les pas des habitants du Limousin. Ça n'était pas pour nous, où nous n'étions pas de taille, de force, à user de ces ressources qui restaient comme un féodé aux bonnes terres de l'économie politique. Si vous circulez, mettons dans la France du Nord, partout vous voyez pousser, allons-y, les cathédrales, les manoirs, les parcs à la française. La littérature semble sourdre littéralement du sol de certaines régions. J'ai vu qu'il y avait dans la maison une étudiante originaire de Tours. Bon, Balzac a célébré la Touraine.
je songeais un jour, amusé, au fait que si, par exemple, on ajoutait aux cartes de géographie avec les 1000 couleurs et sigles conventionnels dont elles sont historiées, une nuance spéciale, mettons gris-perle ou gris-gorge de pigeon, qui indiquerait le degré de couverture littéraire du pays. Certaines zones, la région parisienne, le Val-de-Loire, certaines portions de la partie orientale du pays seraient grises, voire à force d'accumulation de couches noires. Une chose m'amusait, j'ai travaillé à Paris. Je pense que ce qu'on peut y faire encore, il n'est pas un pouce carré du sol de la capitale qui n'ait été le théâtre d'événements tels qu'ils éclipsent, en quelque sorte, tout ce qui pourrait encore venir à leur suite dans la durée. Je notais encore ceci, qu'il n'y a guère de maisons qui ne portent une, deux, trois plaques de marbre, signalant que tel éminent personnage a vécu en ce lieu, y est né, ou bien y a rendu le dernier soupir, et je trouvais ça, lorsque j'avais à déambuler dans la capitale, suprêmement agaçant. Il y a un lien évident entre les bonnes terres, la richesse d'une contrée et sa capacité à produire de l'art, parce que simplement, elle dégage un surplus, un surproduit qui permet de financer les services rares des virtuoses. Ces deux dates toutes récentes, me semble-t-il, que le Limousin a commencé à exister une deuxième fois, comme en principe, mais je dis bien en principe simplement, toute chose, tout homme sont susceptibles de le faire. Nous existons une première fois, je dirais, par corps, par le fait, nous sommes là, et toutes ces choses qui nous environnent. C'est une habitude qu'on a contractée dans certains pays, en particulier en Europe occidentale, que d'essayer d'obtenir une version de l'affaire où nous sommes impliqués, qui l'emporte par sa précision, sa pénétration, éventuellement son éclat, sur le commentaire rapide, approximatif, quotidien, dont nous assaisonnons le cours de l'existence et au premier chef le travail. La France est le pays de la littérature. Je ne suis pas chauvin, et je ne me crois pas tout à fait incapable d'impartialité. Il existe sans doute des écrivains dont l'envergure l'emporte sur celle des écrivains français. Je ne mets rien au-dessus d'Homère. Il y a des gens comme Shakespeare qui presque, me semble-t-il, excèdent l'humaine mesure. Des gens comme Franz Kafka, William Faulkner, m'inspire une admiration sans borne. Mais la culture britannique est plutôt une culture marchande. La littérature n'est pas l'expression spontanée du génie anglais. L'Allemagne cultive la philosophie, de préférence à la littérature, et pour des raisons politiques, dans le détail desquelles je n'ai pas tellement le temps d'entrer. Nos brillants voisins italiens sont des peintres, des architectes, des sculpteurs, des musiciens. L'Espagne brille par les frissons de l'extase religieuse. C'est Torquemada, l'Inquisition, la banque de l'Opus Dei, les flagellants de Salamanca. Nous, c'est la littérature. Alors, il y a, ça semble-t-il, une raison politique, le fait que nous avons très tôt un État très puissant qui oblige les gens à bien réfléchir à ce qu'ils vont dire ou faire sous peine de se heurter immédiatement au droit commun. Il y aurait une liaison, enfin, à mes yeux, elle est manifeste, entre l'expression approchée de l'expérience, la conscience réfléchie de ce qui se passe et nous concerne, et l'émergence de structures politiques d'un type absolument nouveau qu'on appelle les États-nations. La France est un des trois premiers États-nations de la Terre. L'État, c'est un organe qui monopolise l'usage de la violence physique. La nation, c'est un ensemble territorial intégré qui rassemble tous ceux qui y sont nés.
Il n'y a longtemps que trois États-nations dans le monde, ce sont l'Espagne de Philippe II et de Charles Quint, l'Angleterre de la reine Élisabeth et la France des Valois puis des Bourbons. Et les structures politiques qui sont le fait objectif ont un retentissement subjectif, à savoir nous sommes obligés de faire retour sur nous-mêmes, donc de prendre conscience de nous-mêmes. Et la littérature me semble être le témoignage par excellence de cette profonde métamorphose des procédés, des usages de ce qu'un sociologue allemand qui s'appelait Norbert Elias appelait la civilisation des mœurs. Les preuves, ben on les a, on a les documents. Le sujet conscient de soi est né en Dordogne. Le type s'appelait Michel de Montaigne, et il a barbouillé les trois livres de ses essais vers 1570. C'est là et nulle part ailleurs que naît l'intériorité réfléchissante dont vous êtes chacun un spécimen représentatif maintenant. Ça a été longtemps une rareté, c'était une mince élite aristocratique qui accédait à cette conscience de soi et donc à la littérature du même mouvement. C'est devenu un fait collectif. La littérature s'enseigne systématiquement dans les écoles publiques, et pas seulement publiques d'ailleurs, françaises. C'est parce que l'Aquitaine est opulente qu'elle peut subvenir aux besoins d'un châtelain oisif qui emploie son loisir à faire l'essai de soi. Ajoutez 50 ans, un esprit du premier rang va extraire de cette conscience de soi ce qu'on appelle le sujet connaissant. Un nom rassemble cette opération prodigieuse, c'est celui de Descartes. Vous savez qu'il infère toute son existence du simple fait qu'il pense parce que c'est la seule chose au monde dont il ne puisse douter. Je puis douter de tout, jusqu'à y compris de ce qui se passe maintenant. Il se pourrait fort bien que tout ceci ne soit qu'un rêve. Vous ne pourriez n'être jamais que des images nées de ma cervelle endormie. Mais il y a une chose dont je ne saurais douter, c'est que je pense, et éventuellement que je doute. Mais comme douter, c'est penser, je suis. Je ne suis rien qu'un entendement, une raison. Descartes est un hobereau, il s'appelle Descartes du Perron, il a une terre du Perron. Il n'a rien d'autre à faire que de tourner les pages du grand livre du monde et de livrer dans un premier temps à l'Europe, aujourd'hui au monde entier, puisque la globalisation, si j'ai bien compris, c'est l'occidentalisation du monde. La posture dépassionnée qui permet de se faire une idée précise de ce qu'est un objet et de se rendre donc comme possesseur et maître de la nature. J'ai fait ce petit détour pour signaler à mes petits compatriotes limousins qui fréquentent l'école des Beaux-Arts de Limoges que le passé n'est pas encourageant, loin s'en faut. Nous sommes sur les mauvaises terres ou les moins bonnes terres pour parler pudiquement de l'économie politique. Cette terre n'a jamais produit quoi que ce soit d'aimable ou d'admirable. Parce qu'en l'absence de surplus, on ne pouvait financer la corporation de plasticiens, d'artistes, qui auraient magnifié la région, éclairé, exalté, adouci, embelli nos vies. Nous sommes les légataires, les descendants d'une paysannerie misérable. Ce qui vaut pour la Creuse ou pour la Corrèze et, à quelques degrés, pour la Haute-Vienne. Même si la Haute-Vienne l'emporte quelque peu par le poids relatif de la ville de Limoges et ses industries sur les départements à composantes ou dominantes rurales que sont la Corrèze et la Creuse. Il s'est produit dans l'histoire de l'humanité deux grandes révolutions du mode technologique de communication. La première, c'est l'invention de l'écriture vers 3200 avant Jésus-Christ du côté d'Akkad et de Sumer. De quoi se déduit notre littérature? Des hommes se trouvent dans la nécessité de comptabiliser le produit du travail servile dans les empires hydrauliques esclavagistes de la Mésopotamie, et comme la mémoire vive ne suffit plus à retenir le nombre invraisemblable, 10 000, 100 000, 500 000 esclaves, de gens qui travaillent sous le fouet, eh bien, on se dote d'une mémoire auxiliaire, c'est l'écriture. On trace avec des bouts de roseau, des signes en forme de coins ou de clous dans les tablettes d'argile qu'on a retrouvées. La deuxième révolution, c'est vers 1450, à Strasbourg et à Mayence et Gutenberg. On reproduit mécaniquement les textes au lieu d'employer, de consumer sa vie
à reproduire manuellement un original. La troisième révolution, c'est maintenant, c'est numérique. Je n'en imagine pas au DAO. Vous allez me dire, nul ne peut imaginer ce que demain nous réserve. En tout état de cause, je n'imagine rien de plus pour la raison toute simple que la totalité de l'information archivée est désormais accessible de partout, à toute heure, par n'importe qui. Le contre-exemple est le suivant. Quand j'avais 20 ans, j'ai fait une maîtrise. Je devais consulter des livres à peu près disparus partout, sauf dans les soutes de la Bibliothèque nationale. Et il fallait être là, 9h du matin, réserver sa place, remplir, consulter des fichiers en bois verni, avec des fiches cartonnées, remplir sa fiche, la déposer dans une boîte qui se trouvait au fond de la grande pièce, et au bout d'une heure et demie, deux heures, on touchait enfin son bouquin, voilà. Heureux quand il était là et que on pouvait nous l'apporter. Je suis encore vivant, enfin je crois, et j'ai souvenir de cela, du temps tout proche à certains égards et à d'autres égards plus éloignés désormais de nous que la Chine et le Mexique, où il fallait à la main remplir sa fiche cartonnée et attendre qu'un bouquin sorte des entrailles de la BN pour atterrir sous vos yeux sur un bureau. Je me dis, c'est fini, c'est terminé. Ceux qui s'avancent là sur la scène du monde, ceux-là ont immédiatement accès à la totalité de l'information, où l'information, au lieu d'être captive, prisonnière du substrat matériel que constitue un volume imprimé in octavo, flotte comme un nuage électronique que chacun peut capter. Il n'y a donc pas de raison que des populations, que l'indigence, l'éloignement ont condamné à vivre à peu près sans art pendant la plus claire partie de leur existence, n'accèdent pas au seuil d'un nouveau millénaire assez bien, en principe, durable, pour certains éternels, que constituent des œuvres d'art. On en a été spolié, dessaisi, dépossédé pendant la plus claire partie de notre histoire. Vous savez que l'axiome de la philosophie de l'histoire, c'est la totalité du passé est présente maintenant dans la structure du monde matériel, cette salle, et dans les structures mentales des gens qui font l'histoire, c'est-à-dire vous. Rien ne se perd ni ne meurt dans la grande temporalité. Nous ne pouvons pas ne pas savoir de quelle dépossession collective, historique, nous avons été frappés. C'est quelque chose qui peut encore inquiéter, faire craindre. Pourrons-nous triompher de cette espèce d'obscure fatalité qui nous a interdit d'accéder à ces formes d'expression que partout on a toujours valorisées. En même temps, il est évident que la révolution des transports, des communications, ont brisé du même coup les barrières matérielles et mental qui nous avait fait des écoliers limousins, pour parler comme Rabelais, et que, peut-être, je ne peux pas être catégorique, l'aube du troisième millénaire est aussi celle d'une espérance pour les réprouver que, jusqu'à aujourd'hui, peu s'en faut, nous avons été. Il y avait ces peintres, qui dans les années 50, 60, ont apporté la preuve qu'on pouvait être un type de la Haute-Vienne ou de la Corrèze, et en même temps porter sur la toile des choses actuelles. Il y a le fait qu'un garçon de la Haute-Vienne, qui s'appelle, je crois, Georges-Emmanuel Clancier, a écrit des choses où pour la première fois, nous découvrions véritablement sur la page quels nous avions été par corps sans être à même de balbutier les premiers mots. Je vois que Geoffrey Lachassagne, qui vient de naître au mépris des vieux interdits, des vieux tabous, s'empare d'une caméra pour filmer des choses comme les insectes, par exemple, bon, qui sont quelque chose d'assez difficile à saisir. Et c'est là encore, à mes yeux, le signe, l'espoir que quelque chose a changé.
Alors, il m'a semblé que cette école était bourrée d'étudiants, ce qui est normal, ça ne serait pas une école, qu'ils prétendent inventer la physionomie plastique de demain, qu'ils sachent, mais je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas le savoir, que le passé est sombre, muet, opaque, rien. Il n'y a pas de gage tangible, comme c'est le cas dans les grandes villes, dans la région opulente, de ce qu'il suffit d'agir pour aboutir, pour réussir. Ça ajoute un ferment sans doute d'inquiétude à l'affaire, à l'aventure. Peut-être bien qu'il en faut un peu. Ensuite, l'avenir, je ne le verrai pas, mais j'espère, vérifiera qu'une ère nouvelle a débuté et qu'une terre sans art depuis toujours, eh bien, est désormais, parce que les temps ont changé ou se sont accomplis, est désormais en mesure d'ajouter au simple fait d'être, d'exister, de respirer, cette clarté, cette joie, allons-y, que l'art seul peut nous dispenser. Voilà quelles étaient les quelques réflexions que m'ont inspiré le fait d'être limousin, d'avoir vu le jour ici, d'avoir pris conscience avec le temps et l'éloignement de la stigmatisation collective dont nous étions frappés. Et enfin, le fait qu'il se produit aujourd'hui d'immenses choses et que ceux dont c'est le tour, ceux qui s'avancent sur la scène du monde, eh bien, vont tirer parti de ces grands bouleversements et faire que le Limousin soit une terre d'art. Voilà ce que je voulais vous dire, puisque je suis à l'ENSA de Limoges. Ben, ils ont raté leur coup. Je pense à Bertrand de Borne, par exemple, ou même à Bernard de Ventadour. Je n'ai jamais vu, jamais, au grand jamais, dans toute ma vie, personne avec aux mains, dans le métro, dans le RER, dans le train, dans un aéroport, je n'ai jamais vu personne lire les troubadours. Ce que nous le lisons parce que cela nous intéresse. Je vais faire le prof pour la deuxième fois de la soirée. Intéresser, le mot intérêt en français, vient du latin inter sum, inter esse, je suis parmi. Ce que nous lisons, c'est ce qui nous éclaire sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur notre profondeur présente. Les troubadours ne nous parlent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent d'un monde qui n'est plus le nôtre. Ce sont aux yeux des intériorités réfléchies que nous sommes devenus par la force des choses, ce sont des enfants. Le Moyen-Âge est un univers infantile pour nous. Nous sommes les enfants de la Renaissance et des Lumières. Il m'est impossible d'accorder le moindre crédit à ce que peuvent raconter ces hommes des 11e, 12e, 13e siècles. Leur monde a sombré, où il s'est produit une sorte de rupture entre l'univers qu'ils habitaient et le nôtre. La révolution mentale qui débute avec la Renaissance et qu'on a qualifiée de temps moderne a passé par là. Donc pour moi, c'est l'être morte, ou alors, s'il m'intéresse, mais c'est d'un tout autre point de vue, c'est parce que, étant francophone, je trouve pour le coup intéressant l'état de langue qu'ils ont confié non pas même au papier mais au parchemin. Mais c'est un intérêt qui ne diffère pas véritablement de celui que je ressens lorsque je déambule ou lorsque je conduis à travers la campagne limousine. Dans un âge plus tendre, j'ai avalé de la philologie romane, qui était une matière qui ennuyait énormément mes petits condisciples parisiens, alors qu'elle m'enchantait parce que subitement, elle rendait la parole
à ces voix altérées, obscurcies, amuies, que constituent, dès qu'on circule dans la campagne, par exemple les panneaux de signalisation. Je suis de Brive. Brive, bridge, c'est le pont. Donc c'est celtique, c'est avant la conquête romaine. La préfecture, c'est Tulle, tout est là, la déesse tutélaire sous l'autorité de laquelle on s'est placé. Limoges, les Lémovis, Lémos, c'est l'Orme. Vic, les combattants de l'Orme, ceux qui partaient au combat, torse nu et habillés de feuilles d'orme. On a un texte qui n'est pas notre fait, puisqu'on ne savait pas écrire. C'est le livre 8 de la guerre des Gaules. César raconte qu'il affrontait les Lémovis et les Cadurs, c'est-à-dire les gens du Limousin et les gens du Quercy. Les troubadours ne me parlent plus. Le seul intérêt que je trouve à l'existence de cette littérature est d'ordre philologique. C'est uniquement la langue en tant que, obliquement, indirectement, elle peut encore éclairer l'étendue réelle à travers laquelle je me déplace et qui, parce que le temps a passé, c'était comme tu avant que nous accédions à cette science spéciale qu'on appelle la philologie, laquelle, entre autres choses, pour vertu de faire parler ces lieux prochains où nous respirons sans y voir malice. Un autre exemple, c'est plus fort que moi. Quand on quitte Brive pour monter sur Tulle, il y a un endroit qui s'appelle Aubazine, A-U-B-A-Z-I-N-E. Et je me suis dit, quand j'étais jeune, les anciens, c'était vraiment des crétins. Ils étaient nuls. Aubazine, quand vous arrivez, c'est la gorge de la Corrèze. Il n'y a pas 50 mètres d'un versant à l'autre. Et ce sont des schistes et des gneiss noirs. Dans Aubazine, on entend l'aube, albus, alba en latin, ce qui est blanc. Bon, donc je me suis dit, les anciens, c'était des crétins. Tous les Corréziens sont des crétins. Et je m'inclus d'ailleurs gaiement dans le... Et puis, par le plus grand des hasards, je tombe un jour sur l'orthographe ancienne, l'orthographe du XIIe ou XIIIe siècle. C'était pas A-U, c'était O. Aubazine, O-B-A-S-I-N-E. Et alors là, tout changeait. C'est Opakina, l'endroit opaque. Et j'ai retiré mon chapeau et me suis incliné très bas devant les mains. Oui, l'endroit opaque. Il l'avait senti, il l'avait dit. Mais la forme des mots s'altère et insensiblement, les choses semblent se taire. Mais nous pouvons, si nous les questionnons convenablement, en nous appuyant sur les lois de la philologie romane, leur rendre la parole. Et alors nous sommes émerveillés de l'exactitude avec laquelle elles déclinent leur identité, l'endroit opaque, juste entre le pont et la déesse tutélaire. Voilà. Donc les troubadours, niette, non. Les troubadours, c'est pas de la littérature. Et du coup, l'œuvre de Limoges, les émaux, oui. C'est pareil, c'est pas l'histoire de l'art, on les efface. Ça reste inféodé pour l'essentiel, la porcelaine, la vaisselle, un certain nombre de besoins et, bon, je baisse là où... Oui, les démons. Je baisse. Bon, alors les chasses limousines. Je sais. Je sais. I know. Ça me laisse de neige, pardonnez-moi. Alors ça tient peut-être au fait. Ah, je veux croire que ça réchauffe le cœur de beaucoup. Mais ça tient peut-être au fait que j'ai été élevé comme un gueux, un païen, ni Dieu, ni maître, et que jamais. Cet art du Moyen-Âge, ça inclut Notre-Dame de Paris, tout ce que vous voulez, ne m'a parlé, ne m'a éclairé sur ce que je regardais comme vital, important, essentiel. Non, les émaux ne m'ont jamais parlé, pardonnez-moi. C'est peut-être que je n'ai plus l'âme médiévale après qu'elle est restée trop longtemps, ou que j'avais à ce point... haine, c'est ces temps moyenâgeux, ces ombres médiévales dont nous étions encore environnés lorsque j'étais enfant, que j'ai jeté le bébé avec l'eau du bain. Quoi. Non, ça ne me parle pas. J'aurais aimé vous dire le contraire, mais j'aurais menti. Je ne suis pas là pour dire des mensonges, mais pour... C'est dommage parce que c'est cette période-là qui vous dément. C'est cette période-là, oui. C'est cette période-là qui vous dément, cette idée sur les mauvaises terres. C'est cette période-là, justement, qui dit un peu à mon sens.
Pardonnez-moi, il n'y a pas de langue littéraire, il n'y a de langue, enfin, mes yeux, que politique. Toute langue peut devenir littéraire sous la réserve qu'un corps, une corporation de professionnels s'en saisit pour exalter la gloire du prince et la sainteté des évêques. C'est une conception un peu, je vous l'accorde bien volontiers, un peu réductrice, mais toute la littérature en général, et la littérature française en particulier, n'ont jamais évoqué que les puissants de la terre, dans un premier temps l'aristocratie terrienne et dans un deuxième temps la bourgeoisie citadine. On ne voit jamais de Limousin dans la littérature, si ce n'est pour servir de tête de turc ou de repoussoir aux doctes, aux puissants, aux riches. Non, ce n'est pas anecdotique. Bon, je vais être encore plus grossier. Au point où j'en suis. Montaigne qui invente, je l'ai dit, le sujet réfléchissant est un noble périgourdin qui parle gascon avec ses manants, nous en sommes sûrs, qui a parlé latin avec son précepteur, qui parlait français à la mairie de Bordeaux. Descartes parle couramment le latin, le français et plusieurs langues parce qu'il a passé sa vie à circuler sans s'inquiéter de savoir si ses besoins y suffiraient. La grande littérature française sort principalement de la cour. C'est la Bruyère. Le texte le plus éclatant que je sache, ce sont les mémoires de Saint-Simon. 10 000 pages. C'est encore l'aristocratie française, mais de province. Robine, je pense à Montesquieu, qui propose une réforme du système politique. Lorsque le texte littéraire, comme vous dites, tombe aux mains des plébéiens, c'est très grave. J'aurais été un aristocrate, j'aurais commencé à m'inquiéter violemment dès les années 1650, lorsqu'un enfant de la ferme des impôts, qui s'appelle Blaise Pascal, invente du même coup la machine à calculer, le premier automate, le premier ordinateur, et simultanément une philosophie du désenchantement du monde qu'il livre dans ses pensées. Lorsque de bas plébéien, je pense à Diderot, qui est matérialiste, ou Rousseau, qui est un homme de peu, s'empare du texte, l'aristocratie est morte, même si elle ne le sait pas. Lorsque son règne s'achève et que l'homme aux écus, la classe bourgeoise, qui, comme son nom l'indique, est citadine, s'empare du pouvoir, qui voit-on passer au foyer du récit, non pas des ducs et pairs emplumés ou des marquis emperruqués, mais des financiers, mais des capitalistes, mais des bourgeois de province. Je vais toucher le fond de la vulgarité, allons-y. L'œuvre de Marcel Proust est fille de la faculté de médecine de Paris et de la banque parisienne. Raymond Roussel était le propriétaire du trust pharmaceutique Roussel, UCLAV, qui porte encore et toujours le même nom. Samuel Beckett, pour qui j'ai infiniment d'admiration, n'a jamais levé le petit doigt de sa vie. L'œuvre de Claude Simon, prix Nobel de littérature, sort directement de la grande propriété viticole du Midi languedocien. Il n'y a aucune trace dans toute la littérature française de la vie des gueux auxquels je me sens particulier. À mes yeux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est quelqu'un qui parle avec le langage de la maison Gallimard, d'un monde qui avait été jusqu'alors excommunié de la littérature. Avec des imparfaits du subjonctif. Bon, ça n'emporte pas tout à fait ma conviction. Pareil. Giraudoux, il est limousin, tout à fait de Bellac, mais il a construit une œuvre de fantaisie, pardonnez-moi. Or, je n'ai pas eu le sentiment que la vie que l'on menait autour de moi quand j'étais gosse, dans la basse Corrèze, est véritablement ces couleurs fantaisistes. Alors naturellement, on peut travestir la réalité ou bien se payer de mots ou, comme on disait Aragon, se faire le cœur content. Mais il me semblait que certaines vérités amères qui nous concernaient passaient par profits et pertes et c'est d'elles que j'étais préoccupé. Qui sommes-nous, quoi que ce soit que nous puissions être, envisager froidement ce qui nous incombe, quelle part nous échoit,
Et à partir de là, eh bien, partir à la rencontre de l'adversaire ou de l'ennemi. Être fixé, se peut-il que se fasse jamais la liaison entre ce qui se passe et ce que nous en pensons. Giraudoux amuse la galerie, peut-être s'amuse lui aussi, mais c'est pas ça. Colette, ah, j'adore Colette. Ah, si elle était là, je pense que je l'attraperais pour lui faire deux grosses bises, une sur chaque joue. Et oui. Céline, et Céline. Non. Pourquoi non? La langue. Mais il n'y a pas de langue. La langue est... La langue. Alors là, pas d'accord, on va faire grand débat. Non, c'est... La langue, à mes yeux, est une hallucination savante. Oui. Qui naît dans les cerveaux de ceux qui ont bénéficié d'un séjour prolongé dans ce monde à part que constitue un établissement universitaire. La langue est une hallucination savante. Il y a des doctorants en sciences du langage là-bas. Là. Vous n'avez pas des choses à dire? Les théories et le langage tel que l'envisagent les spécialistes est également une fiction savante, une fiction théorique. Il n'y a pas de langue, il y a simplement la forme écrite de la vision que l'on a d'un certain point de vue du monde ou de l'espace social. Un mot de Virginia Woolf, les idées générales sont des idées de général. Les petites gens de petites vies et de petites vues. Cela seul qui occupe le fait des successives formations économiques et sociales peuvent livrer sur le monde des vues d'autant plus larges, pénétrantes, éclatantes que cette position qu'ils occupent leur donne des vues plus larges sur le train dont va le monde. Un exemple, il est de Saint-Simon qui constatait simplement qu'ils ne sont pas tout à fait comme nous. Quoi ? Dès l'âge le plus tendre. Ils vivent dans les lieux les plus magnifiques qui se puissent concevoir. La galerie des glaces de Versailles, les enfilades de salons. Ils fréquentent qui ? Mais les meilleurs écrivains. Jean Racine parle de père accompagnant avec le roi. Les plus brillants généraux. Les meilleurs architectes, les plus talentueux des musiciens et des peintres. Leurs jugements sont toujours fondés sur l'excellence. Ils ne se méprennent jamais. Tous, Saint-Simon ne cesse de le dire et de le répéter, lorsqu'ils ouvrent la bouche, font compte mieux comme du monde. Il évoque Madame de Montespan, née de Mortemart, c'est pas si loin que ça d'ici. Mais on était pétrifiés d'admiration lorsqu'elle ouvrait ses lèvres carminées. Du prince de Conti, on en oubliait l'heure de dîner et je ne parle point par figure. C'est la clôture relative de l'espace universitaire qui porte à considérer que la langue est une entité transhistorique dotée d'on ne sait trop quelles propriétés occultes qu'il appartiendrait à des gens de faire résonner. Pas du tout, pas du tout, du tout. La langue n'existe pas. Elle n'existe pas comme telle. Il n'y a rien de transhistorique. La langue change continuellement, changer de groupe social pour vous rendre compte. J'ai enseigné longtemps au collège, j'ai fréquenté des gosses issus pour les uns de milieux cultivés, pour les autres du sous-prolétariat. Bon, il n'y a pas de langue, il y a des usages sociaux d'un idiome parmi les 5000 qui se pratiquent à la surface de la Terre et qui, sous certaines conditions extrêmement rares, peut devenir ce qu'on appelle une langue littéraire, avec ce danger mortel, de sembler suffire à dire les choses comme il convient. Avec un parfum subjonctif, le passé simple, les termes... Non. À mes yeux, il y a un truc. Ce truc, c'est le mystère du monde. Parce que nous sommes rationnels, le monde est un mystère. Le monde est une énigme du jour que l'esprit s'est mis à part de tout le reste. Ça date, on peut le dater précisément, c'est la nuit du 10 au 11 novembre 1619. Voilà. Il y a notre esprit d'un côté, le monde de l'autre. C'est tout. À cela se résume l'affaire. Et donc, nous pouvons poser des questions au monde avec l'espoir qu'il réponde et consigner les réponses qu'il daigne parfois nous faire sur un papier. Certaines questions sont bonnes. Et le monde répond avec abondance, éclat. Bon, ça donne de grands livres. Mais les grands livres sortent toujours des mêmes groupes sociaux. Toujours. Il n'y a aucune exception à la règle. Aucune. Je n'en ai jamais vu et pourtant, croyez-moi, j'ai cherché. Madame.
c'est très... Il n'est de grande œuvre qu'adossée à un grand projet politique. Haïti et le Canada sont d'anciennes colonies françaises. Et à mes yeux, ce ne sont pas des pays porteurs d'un projet aussi énorme que celui que l'État-nation français a formé dès la fin du Moyen-Âge. Nous ne sommes chacun que du social individué, que de l'histoire condensée et cristallisée. Nous avons été partie prenante d'événements majeurs. Je ne sache pas qu'une île de la mer des Caraïbes soit porteuse de quelque chose de comparable au... Allons-y à la politique de puissance menée par les dynasties successives du royaume de France à partir de la fin du Téméraire et de l'unification du pays sous la tutelle des Valois. Les grandes œuvres sortent de l'Espagne, de la France et de l'Angleterre parce que ces trois monstres, les Léviathans, disait Thomas Hobbes, qui se partagent la terre. Quand vous réfléchissez, si on y réfléchit demi seconde, vous débarquez à Haïti, par exemple, en pleine mer des Caraïbes, en Afrique tropicale, équatoriale, vous entendez parler français, vous êtes en Amérique du Sud. Vous entendez espagnol, en Australie, en Nouvelle-Zélande, de l'anglais, quoi. Un type comme Shakespeare vaut parce que l'Angleterre part à la conquête de la terre comme l'Espagne, comme la France. Et la littérature, elle suit. La littérature est seconde. Elle ne vit pas en vase clos. Et quand c'est le cas, c'est fou. Elle ne m'apporte rien, je m'en fous. C'est pas parce qu'on parle... Une langue n'a aucune importance. Aucune. Ce qui compte, c'est le fait que de certaines sociétés, de certains groupes humains se détachent à un moment donné du cours de l'histoire. La langue suit, on dit ce qu'on a fait. Les langues n'ont aucune importance. Les idiomes que nous parlons, il y en a 5000 sur la Terre, il en meurt une tous les 15 jours. C'est comme ça. L'Occitan est mort. On enseigne à la faculté de Toulouse, donc il est mort. Mais il y a 40 ans, je l'entendais parler couramment autour de moi, et merveilleusement, selon les règles non écrites auxquelles se conformaient, sans les connaître, les représentants de la petite paysannerie parcellaire du Limousin. Je me suis même fait un jour brocarder parce que j'avais répondu en patois à d'authentiques paysans qui ont trouvé que j'avais une parlure dégueulasse. Je parlais très très mal, je comprenais très bien ce qu'ils disaient, mais j'étais incapable de former les sons comme eux-mêmes avaient accoutumé de le faire depuis le 5e, 6e siècle que le latin s'est imposé à nos lèvres celtiques. Les langues n'ont aucune importance. Ça aurait pu être le Swahili, le Kulabela, du moment que tous les hommes parlent, ça suffit. Tous les hommes ont pour principale qualité, attribut, le langage articulé. Il n'y a pas de langue littéraire, ou alors il y a des trucs académiques... certains styles, vous savez, vernis, polissés. Comme des Faulkner, c'est pas ça. Bon, je vous assomme, là. Alors, là, c'est autre chose. Là, je sais pas. Je sais pas. C'est des... Bon, Lascaux et Chauvet, c'est nous, hein. C'est Cro-Magnon. Ils sont ce que nous sommes. Ils ont 1500 cm cubes de cylindrée intracrânienne. Les vestiges osseux qu'on exhume ressemblent très étrangement à nos propres restes. Ils ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une main très habile, et en même temps, parce qu'ils doivent pratiquer une espèce de communisme primitif, ils se tiennent pendant 25... 30 000, 40 000 ans à la seule peinture sans recourir à l'écriture. L'écriture est fille de l'esclavage. C'est parce qu'à un certain moment, des hommes, par violence, obligent d'autres hommes à travailler pour eux que l'écriture voit le jour. Et quoi que je la regarde comme un des principaux instruments de libération dont les hommes et les femmes d'aujourd'hui disposent, il n'en demeure pas moins qu'elle continue de porter au front cette tâche de ce qu'elle est née de l'asservissement d'hommes par d'autres hommes. Les hommes de Lascaux sont pleinement humains, mais ils se trouvent arrêtés à un stade relativement archaïque de la civilisation parce que les rapports politiques n'exigent pas d'eux qu'ils se dépassent et s'acheminent vers cette conquête prodigieuse que constitue l'écriture. L'écriture, ça permet de mettre sa pensée hors de soi et ça change tout. Ça brise les limites de la mémoire, donc c'est la conserve. On n'est pas les mêmes du jour où l'on est un sujet graphique, où on sait écrire. On n'est plus les mêmes. Nous ne ressemblons plus à ces hommes qui se contentent de mythes parce qu'ils habitent des sociétés acéphales, sans état, agraphiques.
Quand je lis un mythe, je lis, ils sont fous. Non, ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas rationnels. Et si nous sommes rationnels, c'est parce que nous avons l'écriture, c'est tout. Ce que nous appelons la raison, une certaine posture existentielle face au monde, à partie liée avec les 26 caractères de l'alphabet dont nous sommes redevables à ce qu'ils devaient être des Syriens, des gens de la région d'Ougari, tout ça barre de la part des temps qui courent. Des types géniaux qui... J'en avais les larmes aux yeux. Les Chinois ont 80 000 idéogrammes, hors tout. 80 000. Les caractères cunéiformes sont au nombre d'environ 1700. Il fallait 10 ans à un apprenti, on a trouvé des ateliers de tablettes d'argile. 10 ans pour apprendre à manier de façon rapide, visuelle, les 1700 caractères cunéiformes. 2500 hiéroglyphes égyptiens. Parce que, comme les gens de Lascaux, ces hommes des premières sociétés à écriture sont restés exagérément sensibles à la tyrannie splendide ou à la splendeur tyrannique du monde. C'est-à-dire qu'ils dessinaient les choses, ils les signent, mimaient les choses, jusqu'à ce que des fous, des téméraires, des génies, dont nous ignorons, je pense, toujours le nom, ferment les yeux sur la splendeur du monde et écoutent quoi ? Ben, la voix de l'esprit, et se mettent à noter non plus les choses, mais les sons. Et ils arrivent à une trentaine. Un type s'avise que, quoique la parole soit infiniment variable et changeante et inépuisable, elle roule sur une vingtaine ou une trentaine de sons. Et il note les sons de la parole au lieu de nommer les choses. Ce qui fait qu'à l'âge de 6 ans, en 3 mois, on apprend les 26 caractères de l'alphabet et qu'on devient, par le fait, le maître de toute l'information archivée. Il y a presque mieux. C'était des sémites occidentaux qui ont inventé l'alphabet. Il a passé de Ougarit en Phénicie. Et vous savez qu'il souffrait d'une infirmité, il était consonantique. C'est comme si vous aviez un squelette, simplement. Mais ça se voyait encore en arabe assez récemment. Les voyelles, les sons, la voyelle, c'est la voix, c'est ce qui sonne avec la consonne, n'étaient pas notés. Et les Grecs, qui sont des esprits qui ont inventé le concept, regarde un peu ce que fabriquent les sémites, c'est pas mal, disent-ils. Mais ils ont juste oublié un truc. Ils ont oublié les voyelles, ils ont oublié la chair même du mot. Et en prélevant des caractères sémitiques qui ne servaient à rien en grec, les Grecs inventent un alphabet parfaitement rationnel, c'est-à-dire un son pour un caractère pour un son. Quand vous écrivez, c'est l'alphabet grec à peine tripatouillé par les latins que vous utilisez, et c'était 900 avant Jésus-Christ, donc ça fait à peu près 3000 ans. Ce qui facilite infiniment la vie. Le système de signes pèse si peu que la totalité de l'attention dont nous sommes capables, si mince soit-elle, peut être tournée vers l'objet. Imaginez qu'un Chinois doit avoir toujours présent à l'esprit 15 000 caractères. C'est une bonne partie de la capacité d'attention dont il est susceptible qui est distraite par le travail de mémorisation des 10-15 000 caractères dont il a besoin pour noter ses pensées. C'est ce qui expliquerait, c'est pas de moi, c'est de un anthropologue d'origine canadienne qui s'appelait Havelock, Eric Havelock. Si la Chine, à un moment donné, s'arrête, alors qu'on est des brutes, les Occidentaux, on est des brutes, la pointe de la civilisation, c'est l'Extrême-Orient, ils avaient tout, le papier, l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, enfin tout. À un moment donné, on passe devant, parce qu'on mobilise les ressources extraordinairement simples de l'alphabet. Pour résoudre une équation du second degré, il faut un bout de papier, un crayon, c'est tout. Et surtout, une écriture simplifiée. Et la littérature occidentale a à voir avec cette liberté prodigieuse que confère l'alphabet à ses usagers. Il n'y a pas de grande narration extra-occidentale à l'origine. Ensuite, on la voit qui migre au Japon, en Amérique latine, mais à l'origine, elle est étroitement circonscrite aux limites de l'Europe occidentale. Et il n'y a pas de langue littéraire, ça peut être le grec, ça peut être l'allemand. L'anglais qui est une langue bâtarde, moitié latin, moitié allemand. Le français, qui est le dialecte des gens d'Île-de-France, qui parlent pointu, parlent comme ça, avec le nom de la bouche. N'importe quelle langue se prête à l'expression de l'expérience des groupes dominants dans les successives sociétés. Mais j'insiste là-dessus, pardonnez-moi, il n'y a pas de langue pure, c'est une fiction théorique, et il n'y a pas de langue littéraire. N'importe quelle parlure, il y en a 5000 à notre disposition, peut à un certain moment servir de vecteur, de support
à ce type d'expérience rare que les privilégiés de la terre ont. Ou si vous préférez, j'en viens au moins bonne terre de l'économie politique, le développement des forces productives est resté si médiocre, si faible pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité que seule une toute petite fraction des successives sociétés parvenait au plein épanouissement de son humanité. Tandis que le restant, c'est-à-dire l'écrasante majorité, travaillait dans les vallons de la servitude et de l'obéissance. C'est pour ça que le Limousin n'a pas donné de littérature. Je vous tiens des propos décourageants, mais il vaut mieux regarder la vérité en face et marcher à l'ennemi avec la farde. Le mot de Descartes, il faut livrer bataille, ben on y va. Peut-être qu'on s'ennuierait sinon. Bon, je vous assomme là. D'autres remarques ou de possibilités d'échange. Oh ben non, c'est pas des sculptures, c'est la soudure à l'arc sur des bouts de ferraille ramassés dans les casses. Ouais. Alors j'ai des copains partout parce que je suis corrézien, donc la Corrèze est peuplée de copains. Alors ils m'ont dit bon. Tous tes machins, là, on pourrait les montrer ici ou là. On n'est pas artiste à mi-temps, ni écrivain à mi-temps, ni sociologue à mi-temps, ni linguiste à mi-temps. Quand on a pris ce parti de faire une chose, on y consacre ses soins, ses jours, ses nuits, ses loisirs, son repos. Voilà, c'est comme ça. La vie est brève. C'est pas de moi, c'est de Horace, un vieil auteur latin, vous le connaissez tous, Vita brevis, la vie est brève, ars longa. L'art est long, interminable. Si j'étais né ailleurs qu'en Corrèze, je me serais peut-être lancé dans une carrière de plasticien. J'ai toujours eu enfin du goût pour les formes, en particulier les bouts de métal qu'on trouve un petit peu partout, puisque la civilisation est désormais une civilisation métallique, opulente. Je regardais au bord des routes, là, il y avait des boulons, des rondelles, des écrous, des morceaux de tôle. C'est récent, c'est tout récent, ça date de la révolution industrielle, il y a un siècle et demi, deux siècles, que bon, on produit de l'acier et du fer en quantité industrielle énorme, et à des prix extrêmement bas. Je ne sais pas si vous avez idée du prix du kilo de fer. Non. Est-ce que quelqu'un a idée du prix d'un kilo de fer? Combien vous diriez? Le kilo d'escalope, c'est 20 euros. Le litre de gazole, c'est 1,25 € et 1 kg de fer. Oh, on l'a porté à température de 1500 degrés. Il faut que ça coule comme de l'eau. 1500 degrés, et on est allé au fourneau d'oxygène. Personne n'a idée du... Quand même, alors quoi. Bon, donc, s'il y avait une école des beaux-arts en Limousin, mais j'aurais peut-être demandé à y entrer, encore que je pense que mes parents seraient montrés très réticents parce qu'ils trouvaient que c'était quelque chose d'aventureux. À l'époque. Mais bon, je gribouille, je ne peux pas être au four et au moulin, et donc, à temps perdu, c'est-à-dire 3 semaines par an, je fais de la soudure à l'arc sur des bouts de ferraille que je ramène des casses, mais voilà, c'est tout. J'ai enseigné aux Beaux-Arts de Paris. Je voyais les jeunes plasticiens, les gens comme vous, comme ils me disaient, on se tue, on se déchire, on se défonce, oui. Vous êtes là pour ça, vous avez tout l'avenir est devant vous, la vie vous appartient, mais... il ne faut pas ménager sa peine, il faut y aller. On vous fait confiance. C'est excellent. Donc moi, je vous invite maintenant à aller boire un verre. Voilà. Autour de... Comme ça, vous pourrez continuer à parler avec Pierre Bergoglio.